Salut la gang, on se retrouve aujourd'hui pour District Quotidien. Aujourd'hui, on passe sur du Hey, ça tenait avec iStar comme tous les dimanches. Ben tiens, salut Ethel, comment tu vas bien? On parlait de toi, je t'envoie deux secondes. Je roule dans le bac, pas de panique, pas besoin de topo sur la fin, je suis déjà au parfum. Alright, du coup, comment tu vas bien? Du coup, ouais, comme dit, il s'est tourné avec iStar comme tous les dimanches. Je vais du coup aller le rejoindre, il est en train de starter, c'est son côté. Alright. Ok, je suis là. Justement, à parler d'Étienne, il est là, Étienne. Ouais, il est là, je le lis. il nous vend quel parfum, au passage? Tant qu'à faire. Ah. Bonsoir, donc, au live de Anto Master, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais faire mon intro de mon côté, alors rassurez-vous, c'est normal qu'on entende tout le monde. Hein. Ou pas seul, en même temps, je sais pas. Bonsoir à toutes et à tous, Aesta 53, on est dimanche. Oui, ça fait une semaine, je suis désolé, mais une semaine. J'étais pas en état mental de m'afficher auprès de vous, je ne pouvais vraiment pas faire grand chose. J'espère pouvoir changer la donne cette semaine, la semaine prochaine à venir. C'est pas encore garanti, mais en tout cas, au moins, on est dimanche soir, et on est toujours avec Anto Master 16. Bonjour Anto. Salut. Oui, c'est dire que salut, c'est pas dire bonjour, c'est pas sûr. Donc, voilà, et on va continuer à justice cette tournée, sachant que sur le coup, oui, allô Anto, on a un meurtre à gérer. Ça. D'ailleurs, c'est qu'il dit, il dit parfum mangivré pour le parfum. Mangivré, c'est un parfum de boisson, pas de glace. Alors, j'espère qu'on entend bien le jeu aussi, on va voir. Deuxième jour de procès, on commence bien. Hein. Yep. C'est brut, je trouve, moi. Vous êtes d'accord, vous ne pouvez pas. Ah, et ne faites pas gaffe au look des personnes. Anto ? Ouais. C'est normal, ça ? Non. Bah, je sais, oui, c'est normal, le jeu, tu vois bien, mais il est où le juge ? Ça commence bien. Ouais, Tiny D, il a vu la rediff juste avant, donc je ferai dans sa tête. Alright! Ok, ok. Bon, alors, sur le coup, je vous dis, faites pas gaffe au look des personnages. Je me suis amusé à rhabiller Phoenix Wright. Ouais. Bien, j'imagine que nous devrions reprendre le procédé car solo. Bon, ça a l'air normal. J'ai vu la réaction d'Anto. Monsieur le juge, vous pouvez arrêter de vous cacher sous votre siège. Il n'y a pas de bombe ici, promis. Ah oui, papa. Parce que techniquement, c'est genre juste après le procès avec la bombe, ça, je crois. Là. Ouais, c'est vrai. Bah, il est traumatisé, le garçon. À son âge. Oui. je dois avouer ressentir une certaine animosité quant à un prétendant. Surtout après cet attentat dans la salle d'audience. Et l'autodestruction de Mr. Puffy. C'est une façon de décrire ce qui est arrivé à cet étrange personnage. Ouais. Il semblerait que M. Justice ait été réellement blessé par les actes de M. Plusif. Monsieur Wright, j'ai cru comprendre que vous étiez désormais chargé de la défense. Avez-vous pu prendre connaissance de l'intégralité des débats qui ont eu lieu jusqu'à présent? C'est que c'est le Covid, disait-il. Non, ça va. Oui, monsieur juge, la défense est prête. Mais j'ai prévenu. Bah, très bien. L'accusation est-elle prête également? Oh putain, pardon. J'ai zappé qu'il y avait la sœur de cloche qui est là. Ta grande sœur est à ton image, petit frère. Oh, oui. Elle quittera dans l'espace, c'est beau. Hein. Du coup, au passage, coucou Shadow. C'est dédicace.
J'en déduis que vous voulez que je fasse une déclaration préliminaire. Le juge a fini par apprendre à lire dans ses pensées. Ça doit être l'expérience. Il en a vu passer des procureurs. À ce niveau-là, c'est presque un vétéran. Voyons voir. Lors des débats précédents, nous avons appris que la victime, Pierre Terrien, s'était échappé de la rampe de lancement A emportant l'accusé Icarso. Les explosions ont touché le premier étage du centre spatial, ainsi que la fusée elle-même. Les deux astronautes ont emprunté le couloir de la rampe jusqu'à la salle de pré-embarquement. Et ensuite, comment la victime a-t-elle pu descendre de l'échelle tout emportant l'accusé? Voilà le mystère que nous allons tenter d'éclairer. Cette justice a prouvé que la victime avait été tuée dans la salle de pré-embarquement. Monsieur le procureur, avez-vous découvert des faits nouveaux relatifs à ce débat? Une enquête approfondie a permis de retrouver un fragment de bouteille d'oxygène dans la salle. Il semblerait donc, qu'à ma grande surprise, que la théorie de Monsieur Justice soit avérée. Ça signifie que les témoins des deux premières personnes sur place sont suspects. Le témoignage des deux personnes. Deux personnes ont affirmé avoir été les premiers sur les lieux. Je ne sais pas cependant si on peut vraiment croire leur témoignage. Voyons voir, les deux personnes présentes étaient Elsa Coffry et Yuri Cosmos, c'est ça? Vous croyez qu'ils auraient pu faire une fausse déposition auprès de la police? Oui, c'est possible. On va sans doute devoir creuser un peu. L'enfant était sur le point de contre-interroger l'inspectrice Coffry. Mais l'attentat de la salle d'audience vous en a malheureusement empêché. Et on ne pourra plus le faire, surtout. Ouais. Le personne de malheur. Il a tué mon témoin. Il a tué l'inspectrice Coffret. Effectivement, plus question de lui demander ce dont elle a été témoin. Oui, oui, appelez Maya. Elle va s'en charger. Précisément, ce qui signifie que la question d'identité d'assassin est de nouveau au cœur de nos débats. La mort est convaincue qu'il s'agit de Monsieur Solo. Son emploi brillant, il a une dent contre lui. Maya, désolé. Toutefois, la défense avance qu'une tierce personne était présente et est responsable du meurtre. Une assertion tierce à deux et malencontreuse d'un homme bien courageux, ou bien stupide. Ah, ça ne prend comment de comporter nulle tierce personne. À moins que ce ne soit votre sénilité précoce qui s'exprime. L'ancêtre. Alors, et ça, si jamais, ça serait possible de monter un peu le son du jeu pour toi, parce que sur moi, c'est un peu faible. Dans les options. Ouais, je m'en occupe. Là, t'en penses quoi? Ouais, là, ça devrait être mieux. L'ancêtre. C'est très faible. Ouais, l'ancêtre, il va vous faire sentir le poids de ses années d'expérience, genou. Monsieur Solo affirme avoir vu quelqu'un quitter la salle après embarquement. De plus, un employé du centre spatial a également aperçu une silhouette sur les lieux. Elle a vu quelqu'un d'autre? Je vois que ma sœur a encore oublié de se taire. Ah, j'avais presque oublié qu'Aurore était la sœur du procureur. Peu importe, elle n'a pas payé sa gueule au visage du mystérieux spatial. Elle est donc impossible d'affirmer qu'il ne s'agissait pas simplement de l'accusé. Mais il est toujours possible de penser qu'il s'agissait de Monsieur Solo. Nous devons donc déterminer si une tierce personne était bel et bien présente. C'est pourquoi il convient d'écouter le témoignage de l'un des premiers à être arrivé sur le lieu. Le directeur Cosmos, j'imagine. La vedette, c'est qu'il se prend pour une vedette. Très bien. Officier, veuillez appeler le témoin à la barre. Hein? Anto? Quoi? Il est venu garer avec sa trottinette? Oui, son scooter spatial. Ah mon dieu? Il pourrait le voir sur le coup. Spatial, oui. Non, sur le coup, dans les différentes mises en scène, avec le cadrage, caméra, on va dire ça pas comme ça. On va le voir sur le coup posé sur sa trottinette. Ouais.
Oui, Étienne disparaît, même à la mort, il est à la trottinette. Ouais. Oh, je crois vous avoir déjà vu dans le journal. Merci, de toute évidence, après tout, je suis Yorick Cosmos, directeur de la Centre Spatiale Cosmos, qui porte évidemment mon nom, Yorick Cosmos. Là, je le fais en chantant. Parce que ce monsieur, il se la raconte. Allons donc, vous voulez me poser des questions, c'est bien cela. Alors, c'est très affantaronné. Ah, c'est qu'à de le dire. Il y a 7 ans, j'ai eu l'honneur de lancer la Hâte 1. Brillant succès, s'il en fut. Et... sur les capitaines des bâtonnets de collègues d'Étienne. Oui. J'ai été coupé en silence par la noire. Ouais. Alors, ça c'est. Ça, quoi, le live commence bien, je trouve. Ah, oh, ben quoi, rien. Comment il s'appelait déjà le capitaine d'ailleurs? Ouais. C'est dans le JDG, comment il se faisait appeler par ce personnage dedans? Possible, honnêtement. En tout cas, ça doit être des colins d'espace. Merde, je vais aller la fin, excusez-moi. Avec tout ça, forcément. Tout le monde connaît des larmes ou fait d'armes. Je dois moi-même retenir une larme en songeant à la présence d'un si grand homme parmi nous. À présent, honneur vos obligeances de nous livrer votre témoignage. Oh, oh, oh. Voilà un jeune homme qui sait reconnaître la grandeur quand elle se présente. À présent, laissez-moi vous conter mon témoignage. Dans l'immensité marquera toute une génération. Il repense à ce qu'il vient de dire l'âme noire. J'ai plutôt eu l'impression qu'il se moquait du directeur. Je crois que ça lui est passé au-dessus de la tête, c'est pas plus mal. Présent, M. Cosmos, venez nous donner la version abrégée de votre éminent témoignage. Va être folklore à raconter celui-là. Alors, le coffret et moi-même, nous sommes précipités vers la salle de pré-embarquement. Nous sommes passés par la salle de contrôle où nous avons pu voir ce qui s'est déroulé. Nous avons aperçu une silhouette qui se tenait au beau milieu de la salle. Terrien gisait au sol. Bien que j'ose me l'avouer, je crains que la silhouette n'ait été celle de Solo. Donc, il n'a pas distingué le visage. Je vois. Selon votre témoignage, vous êtes arrivé sur le lieu après qu'ils ont quitté la rampe et rejoint la salle. Et juste après que le meurtre a eu. Oh, au rage, au désespoir. J'ai vu ce que j'ai vu, et tout ce que j'ai vu, je l'ai dit. Courageux, c'est cette type au beau milieu d'une abominable attentat, n'est-ce pas? Afin d'apporter secours à mes hommes, je me suis rué au cœur du danger. Mais tant c'est empiré ma propre vie. Ça, pour une surprise, on dirait que le directeur se soucie quand même de ses hommes. Ah, t'as quand même réagi finalement. Moi, j'ai regardé la terminale de sa caméra, je me suis dit, putain, il va pas réagir à mon. Mais si, il a en souri le garçon, c'est bon. C'est vrai que comme j'ai pas ta webcam affichée directement, c'est pas évident. Oui, enfin, on dirait surtout qu'il a eu peur et qu'il a préféré regarder de loin. La défense était prête à contre-interroger le témoin. Oui, monsieur le juge. Le témoin du directeur est assez vague. C'est que le feu. Je vais devoir l'attaquer si pour lui soutirer des informations si je veux avancer. Et le feu pour tous. Je le fais avant que l'autre s'y met. Il est là. Il s'y met au coulant. C'est cher tout ça, hein, ça fait comme 100 points à chaque fois. Hein. Ouais. Je suis pas que ça, moi.
D'où venez-vous? Le cinquième étage. Nous étions en train de nous assurer que tout le monde avait bien été évacué. Les rumeurs au sujet des astronautes nous ont parvenu, nous avons foncé au deuxième étage. À la vitesse de la lumière, grâce à mon... scooter de l'espace! Putain, c'est vrai. Je peux savoir quoi c'est un scooter de l'espace? Quel rapport avec l'espace? C'est la marque, en fait. La marque Espace. C'est le nom du modèle. Après tout, il y a bien des Renault Espace chez nous, hein. C'est évident, il a été conçu pour être utilisé à bord des croiseurs stellaires. Je vois, j'en déduis qu'il fonctionne même en l'absence de gravité. Heureusement non, la technologie actuelle ne s'y prétend pas. Il se mettrait à flotter et s'envolerait d'une utilité galactique. Voilà, voilà, bon pour la spatio-poubelle en somme. C'est vers la salle de grand embarquement, c'est votre tricycle, je n'ai pas. Il faut arriver le temps. Ha! T'as bien aimé la vanne du juge, toi! Ben, je suis sur un petit truc, c'est ridicule. Quoi? Tricycle de l'espace, pas ridicule. Non, je sais, mais j'imagine juste le mec sur un genre de tout petit tricycle de rien du tout, là. Enfin, à mon avis, c'est pas ridicule. Avec la dégrache, clic, 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 ouais. Aïe, aïe, aïe. Une fois arrivé sur place, que vous voulez. Dans le saut. Hein? Selon le plan. Les balisseurs ont traversé la salle de contrôle pour accéder au pré-embarquement. J'aurais également pu y aller en empruntant le couloir sud. Certes, mais la maîtrise de la précipitation est passée par la salle de contrôle. Je suis contenté de la suivre. Il faut pas une. Ouais. Ouais. J'allais dire ouais. Un truc qui va pas. Ah ça, ok ouais. Ah oui, oui, là, c'est plus clair déjà. Ouais. Je vois. Nous avons regardé à l'intérieur depuis la porte de la salle de contrôle, puis. Oui, les petits pantins. Je n'avais rien pu distinguer de la silhouette en question ou de ce qu'elle faisait. Une seule chose est certaine, il s'agissait d'une personne et elle se tenait immobile. Certainement l'incliné contemplant son autre femme. Il n'y a pas eu d'autre explication. Ah, je touche au but, mais je n'ai même pas de preuve qu'il s'agisse d'une tierce personne. Sache que je n'y prends nul plaisir de se croire. Or, la mort a également aperçu une silhouette dans la salle de pré-embarquement. Et bien, cependant, oui, qu'il faisait trop sombre pour distinguer son visage. Et vous, avez-vous pu le distinguer? Non, pas vraiment! Elle tenait le briquet au niveau du sol lorsque je regardais. Le reste était plongé dans le noir total. C'est pour cela que j'ai vu Tyrion, mais pas son meurtrier. Il est donc possible que cette personne n'ait pas été Monsieur Solo, n'est-ce pas? Je l'espère, en tout cas! Ah, ah, ah. Je ne crois pas que Solo soit capable de tirer sans tuer sur qui que ce soit! Objection! Le témoin est entré dans la pièce, il n'y avait pas de tierce personne. Vous confirmez, j'imagine? Oh, illustre spatio directeur! Oh putain! Oui, c'est exact!
Seul Solo et Tyrion se trouvaient dans la pièce à ce moment-là. Juste après que nous l'avons regardé, la pièce est obscurcie et la silhouette est disparue. Disparue? Voilà qui est étrange. L'unique raison pour laquelle elle s'est volatilisée, c'est qu'il s'agissait d'accuser. À l'abri du regard de ses témoins, il s'est effondré sur le sol et a fait semblant d'être évanoui. Minute, Monsieur Cosmo, savez-vous qui était la scène des yeux? Un court instant seulement. Le temps qu'il faut à une étoile filante pour passer dans le ciel. Mais pendant ce laps de temps si court fut-il, notre test personne aurait bien pu en profiter pour s'échapper. Mais par où serait-elle passée? Elle serait partie dans la direction opposée à la salle de contrôle, les ascenseurs situés au sud. Leur porte n'est pas verrouillée, ce qui lui aurait permis de l'emprunter facilement. Objection! Tout est toujours possible, Maître Wright. Une question subsiste néanmoins. Avez-vous la moindre preuve? C'est-à-dire que... En parlant du royaume des possibles, chacun peut y couronner son roi. La détenue spécialiste de la lune et l'ancien professeur de l'université affirmait qu'il existait un pays de petits hommes verts sur la surface de notre satellite. Vu ce qu'on a fait à cet astre, je ne sais pas qu'ils ne nous en voudront pas trop. Saurez-vous me prouver l'existence de ce charmant royaume célestien? Génial. Il est en train de dire que votre théorie est fumeuse, patron. Il a raison, j'ai aucune preuve pour l'instant. Néanmoins, cette fortune est une échappatoire potentielle, je devrais le noter. Monsieur Cosmos, puis-je vous poser une question? Oui? Pourquoi avez-vous détourné le regard? Ah ah ah! Figurez-vous qu'il s'agit d'un autre exemple de mon courage! La maîtresse Coffret avait aperçu la silhouette et brandi son arme. Et bon défenseur de l'humanité tout entière, j'ai essayé de m'interposer. Hein? Vous voulez dire que l'inspectrice a saisi son arme dès qu'elle a vu la silhouette? Je suppose que mon instinct policier avait déjà identifié l'assassin. Que son instinct policier n'est pas. Je ne crois pas vraiment. Avez-vous réussi à empêcher l'inspectrice de faire feu? Hélas, j'ai agi trop tard. Je l'ai pu l'arrêter à temps. Elle s'est identifiée de vive voix, puis... Elle a fait deux tirs de sauvation vers la sombre silhouette. Deux tirs. On a trouvé qu'une seule balle. Il y a un impact de balle aussi, par contre. Mais l'impact, c'est... la même balle. La balle n'a pas été retrouvée. Ça fait deux tirs, mais avec deux armes différentes, donc... Bah, ça, il reste que c'est pas tout. Logique. Ouais. C'était une question relative, mais j'espère que ça sera à peu près sans particulièrement important. Et ajoutez à votre témoignage. La prêtresse Coffret a tiré deux coups de semence en direction de la silhouette. Non. Je pense qu'il faut mettre les packs de balles ici. Ouais, parce que la silhouette, c'est la vitre, c'est pas une silhouette. Et c'est aussi où l'endroit où on a retrouvé l'impact, ça fait pas beaucoup de sens, c'est le tir vers la silhouette. Ouais, c'est pas logique. Objection! Êtes-vous certain d'avoir bien regardé ce que faisait l'inspectrice Coffret? Vas-y, fais-toi plaisir. Dis donc, j'ai une question, cette machine. Électrique ou essence? Moi, je dirais essence, en plus le bruit. Allez, pollueur, arrête-toi là. Vous doutez de ma parole, tant qu'elle sera un jour inscrite dans les livres d'histoire. Ah, c'est bon, excusez-moi. J'ai mal à envisager que ces paroles soient retranscrites. Dans un quelconque livre, autre que votre autobiographie.
That's right. Auriez-vous l'obligeance de nous expliquer le fil de votre réflexion? Vous affirmez que Zach Coffrey a effectué deux tirs de sommation. Pourtant, un seul impact de balle est identifié sur les lieux du crime. Comment? Un seul impact, et donc un seul coup de feu. Monsieur Cosmos, lui, soutient que l'inspectrice Coffrey a tiré deux fois. Quel éditeur imprimerait une telle contradiction dans un livre d'histoire? Malheureusement pour vous, ce témoignage est d'une précision sans faille. Un examen de l'arme de l'inspectrice Coffrey a permis de confirmer qu'elle a tiré deux fois. Objection! Mais il n'y avait qu'un seul impact sur les lieux. Où est donc passée la seconde balle? Ah! T'as vu le masque? Oui. Pop! Pop, 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 pop! Vous auriez déjà le savoir. Ah bon? Lors de notre précédent débat, une bouteille d'oxygène faisait partie des preuves. Rappelez-vous qu'elle avait été endommagée dans cette même pièce. Eh ben, et c'est bien notre balle perdue qui est responsable des dégâts. Plus précisément, elle a été retrouvée près de la bouteille en question. Il s'agissait d'une balle de 38, de même calibre, donc celui utilisé par l'inspectrice. Quoi? Bah du coup c'est ça, ça confirme que cette balle-là, c'est pas d'elle. C'est quelqu'un d'autre. Ah, ouais. Comment? Hop dans les yeux. L'évoque de rainurage correspond également. La balle provient sans le moindre doute de l'arme de service de l'inspectrice Coffrey. Des marques de rainurage, c'est un peu comme les empreintes digitales d'une arme, ça. On peut dire que cette arme a été tirée d'une balle en examinant. L'une des balles tirées par l'inspectrice a été retrouvée dans l'écran holographique. La autre preuve est la bouteille d'oxygène de la victime. Les preuves semblent confirmer les assertions du directeur concernant les deux tirs de sommation. La contradiction, si belle, si pure, envolée à jamais. L'impact de balle provenait d'un calibre 38. Je vais ajouter ça au dossier. Maintenant, nous savons ce qui est admis de tir d'inspectrice Coffrey. C'est vrai, tu as répondu à toutes vos questions. Coffrey aurait donc effectué deux tirs de sommation. Un dans l'écran holographique et l'autre dans la bouteille. Est-ce vraiment là toute l'explication de ce qui s'est passé dans cette pièce? Non, votre honneur, pas du tout. L'inspectrice Coffrey a effectué deux tirs de sommation à l'aide de son calibre 38. Voilà qui n'explique pas l'existence de l'une des pièces à conviction retrouvées sur place. Une preuve qui suggère la présence d'une tierce personne sur les lieux. Oh. Vous écoutez, en fait, je vous prie. Quelle pièce à conviction suggère selon vous la présence d'une tierce personne? Bah, une balle de calibre 10? Oui. Hey, hi, Wayne, thank you for the hideaway. Hi, CP. I think there's water after. Je vais prendre de l'eau après. Bah, écoute, moi, je vais me faire mon café, profitant pour prendre ton eau. Ok. Alright, break everyone, I'm going to get water, I'll be right back. And I'm back, I got water. Also, yeah, Rain, it's not spoiler free, so I don't know, but what if the killer is an abbey, Rain? You'll understand the word abbey? I'm just messing with you.
T'es rapide la pause, hein? Yes. I would. But it's okay, there's no killer bay in Exeter. Je sais pas pourquoi, mais mon instinct me dit que ça sera pas mon seul café de la soirée. Quelle est cette petite boule de métal? Little company, the killers are yet away. Or cinnamon, or water. C'est un peu suspect, actually. Un objet de première importance provenant des lieux du crime, monsieur le juge. Où l'avez-vous trouvé? Non, non, pas toi. Ah. Où l'avez-vous trouvé? Dans une gouttière, sur les lieux du crime, l'accusation comme la police sont passées à côté. De plus, vous remarquerez qu'il s'agit d'une balle de calibre 10. Bien plus petite, donc, que celle de l'inspectrice qui était d'un calibre 38. Oh, mais ça signifie que... Eh oui, il y avait bien quelqu'un d'autre dans la pièce. Une tierce personne armée d'un pistolet capable de tirer des balles de 10 mm. Putain, t'as trop d'être à juste la place qu'il faut. Quelqu'un, cela expliquerait les tirs de sommation de l'inspectrice Coffrey. Cette tierce personne a tiré sur l'inspectrice Coffrey sur le directeur à l'aide de son arme. L'inspectrice a répliqué avec des tirs de sommation. Expliquez ce qui s'est passé, monsieur le directeur. Ah ah ah! On dirait qu'on avait tous saisi de mon parcours héroïque! Oui, c'est exact! Cette mystérieuse personne nous a tiré dessus! Tu prends pas les dents plus tôt, crétin? Ah d'accord, quand il prend la pause, il tourne sa trompette. Oh! La presse. La noire! T'as pas encore compris comment fonctionnait le jus, enfin le commandant, le directeur, pardon. Alors, attends-toi à te sentir très 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 mal luné, c'est qu'à te le dire. Yep, il y a un jeu de mots sur l'espace. Fast. Che. Daignez-vous m'expliquer pourquoi je n'entends pas Isaac maintenant? Tous les grands hommes ont leurs secrets, vous savez. J'ai un plaisir. Comme ça, ça aurait vraiment dissimulé la prétence d'une tierce personne depuis le début. T'es parti où, toi? Je suis essayé de fermer ma porte, je vais fermer ma porte en venant. Alright. Monsieur Cosmos, je veux que... Que vous répétiez à ce tribunal ce dont vous avez réellement été témoin. Tout que soit votre stature, tant que vous êtes à la barre, vous n'êtes qu'un témoin. Vous ne bénéficierez aucun traitement de faveur. À présent, je vous prie de nous dire la vérité. Là, je suis en mode un petit peu vénère. C'est quoi, hein? Ce que j'ai vraiment vu sur les lieux du crime. Je parie qu'on aura encore un troisième témoignage à venir. Je sais pas pourquoi. C'est une blague. Merde. L'inspecteur Coffrey et moi-même nous sommes précipités vers la salle de contrôle. Nous avons aperçu une silhouette qui s'est tenue au beau milieu de la salle. Derrière, gisait au sol. Nous étions encore dans la salle de contrôle à l'est. Hein? Ouais. On est d'accord que le mur holographique était vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. Non, il est à l'intérieur. Non. Je parle par rapport à la positionnement de la salle. Le truc holographique était là, ouais. Ou il était là? Non, il était à gauche. Ouais, il était à gauche. D'accord. C'était pour le certain. Les yeux ont vraiment réellement vu sur la scène du crime. Hein? Il a rectifié la phrase qui n'était pas française, c'est ça? Ou c'était juste pour en tirer sur le titre, Etienne? Nous étions encore dans la salle de contrôle à l'est quand la silhouette a ouvert le feu.
Ah, c'est le nom pour le troisième truc, ça, Étienne. Le troisième témoignage. Il n'y avait pas de tierce personne dans la pièce lorsque le témoin est entré. Il signifie que la personne qui a fait feu était bien accusée, non? Pas forcément. Cela aurait si pu être quelqu'un d'autre. Il est probable que sitôt que la personne en question est découverte par M. Cosmos et l'inspectrice, peut-être même les quatrièmes, elle se soit enfuie par la porte sud qui n'était pas verrouillée. Ah, ça y est, j'ai compris la blague. Ah, enfoiré. Enfoiré, là. Quel bâtard. Oh purée, je me suis fait avoir comme un bleu. Lame de tranchant sont capricieuses. Un seul faux mouvement et vous voilà blessé. Que? Ce raisonnement pourrait tout aussi bien servir à accuser Monsieur Fusée. Après tout, après avoir été découvert, il aurait très bien pu tirer cette balle de 8 mm. Les incompris l'auraient piqué par deux télésommations. Il lui aurait alors suffi de prétendre s'évanouir pour faire croire la présence d'un tiers. Notez qu'aucune arme n'a été retrouvée sur Monsieur Solo lorsque la police l'a découvert. D'ailleurs, aucune arme n'a été trouvée sur les lieux du crime. Il est évident qu'une tierce personne l'a emportée avec elle en quittant les lieux. Rappelez-vous que la salle de pré-embarquement contient un vide d'ordure. L'accusé aurait fort plus simplement y jeter son arme pour s'en débarrasser. Vous ne pouvez pas nier qu'il est possible qu'une autre personne soit partie avec l'arme. Ah, c'est à vous de le prouver. J'imagine que vous n'avez pas oublié la pièce en conviction incisive que j'ai présentée plus tôt. Que... laquelle? Il a été retrouvé dans la poche de M. Solo, voyons. C'est encore la meilleure preuve de la capacité de l'accusé. Ah! Oui, je l'avais carrément oublié. Prêtez-moi votre crainte que le vertigineux marque de preuve. Eh ben, il a résolu la théorie en confetti d'un coup ou d'un seul. Monsieur, je me trouve que j'ai moi aussi une question à vous poser. Ça me se mal tiré dans la pâme, monsieur. Qu'a-t-elle touché? C'est moi qu'elle a touché. Mais alors vous êtes un fantôme? Moi, je préfère Casper. Ah, je savais que t'allais réagir. Ça me fait plaisir de se faire réagir en tout, tu sais. Et encore réaction. Je me demandais quand votre chauffeté allait enfin le réaliser. Monsieur Cosmos est un fantôme. Plus qu'il est plus authentique. Il peut même traverser les murs. Monsieur le procureur, vous n'avez pas honte de vous moquer de ce pauvre homme? Je ne faisais que plaisanter, Rekrante, c'est sinon que vous le cachez. Vous en êtes certain? Dans ce cas, comment vous survécu au tir, monsieur Cosmos? Excellente question! Un véritable miracle! Un miracle d'un héros de l'histoire tout comme moi! La balle a ricoché sur l'une de mes nombreuses médailles! C'est ce qui m'a sauvé la vie! C'est ça l'impact alors? Ouais, on le voit depuis le début en fait, il est soutenu depuis le début. Coucou! Par contre, y a pas quelque chose qui me paraît bizarre. Je pense un peu à sa position puis où on a trouvé la balle. Et bon, je ben crois qu'elle a ricoché, mais ricoché d'un côté à l'autre de la pièce, ouais. C'est quand même improbable. Ah! Ah, dis-nous, ouais. Faut que je vois ça. Ah ben ça, vous avez vu? Une étoile de plus sur le Gyaxa. Ok, mais on crée des médailles. Oui, ça pourrait sauver la vie, qui sait.
Les chances étaient astronomiquement faibles. C'était vraiment un miracle. Etienne, effectivement parlant, tu peux en trouver à part à ce moment. Mieux qu'un bouclier. T'as compris ma blague, Anto, ou pas? J'ai pas entendu ce que tu as dit. J'ai dit, techniquement, Etienne, actuellement, tu peux t'en procurer à Paris, actuellement. Du coup, non. Ouais. C'est les Jeux Olympiques et Paralympiques. Ah, ouais, ok. Ah, c'est, ils sont tirés sur Paris, ça. Et on distribue quoi, au meilleur? Des médailles. Ah! On dirait que le directeur est né sous une bonne étoile. Mais pourquoi nous avoir caché une telle information, monsieur Bossman? Un homme de mon calibre va parfois dissimuler des choses, quoi qu'il lui en coûte. C'est le lot de tous les plus grands. Votre génération a peut-être du mal à le concevoir. Ouais, c'est là que je fais ça. Je me demande s'il ne cache pas autre chose. On va qu'on peut l'interroger pour voir ce qu'on peut lui soutirer. Monsieur Wright, vous pouvez procéder au contre-garde. Sorry. Il était beau pourtant. Et puis il y a un jeu olympique qui recherche la médaille d'or. C'était du sens, mais... Vous nous avez déjà pas tout ça. Vous n'avez pas autre chose à nous dire? Voyons voir... Si vous avez une heure ou deux, je peux vous raconter toute l'histoire du miracle de la hâte 1. Vous voyez déjà l'histoire, parlez-nous plutôt de l'incident. Je vois, vous vous intéressez aux incidents. En tout cas, je vais vous parler de l'un des incidents qui a forgé mon caractère. Ouvrez grand vos oreilles, je m'en vais vous conter l'histoire d'un grand homme. Vous aussi, vous l'avez déjà raconté. Ce qu'on veut, c'est votre témoignage. Je vous ai déjà parlé de mon enfance, vous êtes sûr? Cosmos, vous aurez tout le reste des détails de votre biographie plus tard. Très bien, hein. Nous allons donc regarder à l'intérieur de la salle de contrôle, et puis... C'est si simple que vous ne pouviez pas distinguer le visage de la silhouette, exact? C'est cela! La pièce était d'un noir aussi profond que le confort de l'espace. D'ailleurs, en parlant de l'espace, figurez-vous qu'il y a 7 ans, la hâte 1... Encore un mot sur le miracle de la hâte 1 et je vous envoie droit à la SPA. Pourquoi la SPA? Si il y avait un truc avec CE à la suite, j'aurais bien compris, mais c'est pas le cas. Ça fait space comme ça. Oh oh oh! Excellente idée! Après tout, les animaux ont aussi le droit de profiter de mes récits! À la Société Protectrice des Astronautes, votre témoignage. Et vite! On l'a attaqué ou on a un truc à présenter? Ah, attaque-le pour être sûr là-bas. Pas clair aussi, peut-être. Ouais. Oui, bien, je disais donc. Vous êtes fait tirer dessus sur le pas de la porte de la salle de contrôle. C'est exact! Pas logique. Monsieur Cosmos, cette balle vous a bien atteint? Oui, un véritable miracle! Un miracle digne d'un héros de l'histoire tel que moi! J'ai été touché alors que je me tenais dans la salle de contrôle.
sauvée par les dieux rieurs du cosmos elle-même. J'ai vu la balle frapper ma glorieuse médaille. Tu veux dire que la balle aurait dû être arrivée du côté de la porte de la salle de contrôle? Non, le directeur cosmos était dans la salle de contrôle à l'est. C'est là qu'est-ce qu'il fait? C'est là qu'est-ce qu'il fait? C'est là qu'il fait du côté. La balle a touché ta médaille, c'est que le permis de sens est indemne. Il a vraiment eu beaucoup de chance. Je comprends pourquoi il est aussi populaire. Alors, là, avec la chance légendaire, je devrais déjà être le roi du cosmos, quoi. Mmh. Ouais, avec sa chance légendaire, il aurait déjà retrouvé le One Piece. Ah, mais bon, je pense que tu peux présenter le mets la balle à la troisième fois. Ceci? Ouais. Objection! Ouais. Monsieur Cosmos, c'est un glorieux mensonge que vous osez raconter à ce tribunal. Un homme de ma stature s'abaissait à mentir? Comment osez-vous suggérer une telle infamie? L'accusation se base sur la position des différents acteurs de l'incident. Dans votre témoignage, l'inspecteur Scoffrey vous-même était près de la porte de la salle de contrôle. La mystérieuse silhouette, elle, se trouvait dans la salle de pré-embarquement. Si cette dernière a bien tiré depuis cet endroit ainsi que vous l'affirmez, la balle aurait dû partir dans cette direction. Cependant, elle a été retrouvée à cet endroit. Oh! Je dois contredire ce qui a réellement emprunté la balle. Monsieur Cosmos, où vous trouviez-vous réellement lorsqu'on vous a tiré dessus? Mesdames et messieurs, pour vous ce soir, le fabuleux carrousel humain. Ah, j'aurais bien aimé qu'on reste sur la scène en train de tourner. Objection. Ne me dites pas que vous vous en souvenez déjà plus. Ainsi que nous l'avons déjà compté notre témoin, la balle a heurté sa médaille. C'est un fait incontestable. Et dans ce cas, il aurait dû se retrouver dans l'est de la pièce. Vous n'allez tout de même pas me dire que vous pouvez expliquer une telle incohérence. Je crains que c'est... Ah, c'est bien ce qui me sent. Quoi? Au grand cosmo-directeur! Oui? En quoi puis-je vous éclairer? Vous ne vous trouviez parallèlement dans la salle de contrôle à l'est. Vous regardiez à l'intérieur depuis la porte située au sud, n'est-ce pas? Oh, pouvez pas me laisser la scène, hein? J'ai envie de le voir souffrir! Où voulez-vous en venir? Faites marcher votre matérise, à moins que votre tête ne serve qu'à abriter les moineaux. Et les oiseaux maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont tous avec mes cheveux à la fin? Le directeur et l'inspectrice ont été témoins de la scène depuis la porte sud. L'assassin leur a tiré dessus et c'est pourquoi la balle a été retrouvée au sud. Ah! Oui, c'est plutôt logique. En outre, la présence du témoin à la porte sud est très intéressante pour l'accusation. Ça ne me dit rien de bon, ça. Alors, monsieur le directeur, je vous préviens que si vous agissez encore de mentir... Oh. Ah, pour une fois, c'est lui qui fait la remorque, tu vois. C'est mon nom. Votre sang vient de reprendre ma lame. J'ai hâte de voir comment saigne un grand homme. Mais encore, je vais tourner, ranger cette épée, par pitié. Mais juste, moi, l'immense théorie cosmos. Je trouvais la porte sud lorsque j'ai regardé à l'intérieur de la pièce. Quoi? C'est le tout pourtant, est-ce qu'il nous a dit jusqu'à maintenant? Je crois que t'as du bien.
Vous voilà privé de votre théorie concernant la présence d'une deuxième personne. Ah bon? Pourquoi? Le directeur et l'infiltré se trouvaient à la porte sud. L'assassin n'aurait donc pu quitter les lieux de ce biais par ce biais. La porte-voix s'est verrouillée par un lecteur d'empreintes et donnait sur un couloir enfumé. La seule échappatoire possible était la porte est, celle de la salle de contrôle. Et seules les empreintes digitales directeur lui-même permettent de l'ouvrir. Autrement dit, cette tierce personne, elle-même existait, n'aurait nul moyen de s'enfuir. Aïe. Tape dans les yeux. J'ai perdu ma tierce personne, comme si vérité l'avait fait disparaître. À la Kazam. Dans sa culotte magique. Oh, fuck. Silence, silence dans la salle. Monsieur le directeur, pourquoi avoir monté aussi étonnamment et hautement? Où tentez-vous de protéger l'accusé? C'est bien cela? Oui. C'était par amour pour mes hommes. En prétendant de me trouver dans la salle, à l'est, je pouvais faire croire à un coupable qui se serait échappé par la porte sud. Cela suggérait l'existence d'une tierce personne sur le lieu. Je voulais juste protéger Solo. J'ai prétendu me trouver dans la salle de contrôle pour mener à la conclusion d'une tierce personne. C'est tordu comme mensonge. Vous voulez vraiment protéger Solo? Il semblerait que la conclusion se pose d'elle-même. Théorie n'est pas en suggérant la présence de personne, etc. Non! Votre glas est sonné. Oui, le juge va rendre son verdict. Le fichier fait l'exhaler. C'est le moment parfait pour adopter un autre angle de réflexion. S'il n'y avait pas d'échappatoire pour une tierce personne, il s'agissait peut-être de l'une des personnes présentes. Et si tout était faux depuis le début? Un truc qui m'intrigue. Le témoignage de Aurore dit qu'elle allait voir un gars avec un briquet et un couteau à la main. Je sais pas si elle avait parlé du couteau, elle avait parlé du couteau. Elle avait dit ouais, c'est dans la main gauche, je sais quoi, ou dans la main. Ouais. Or, dans les témoignages, on rappelle que le directeur disait qu'il avait aussi un briquet à la main, le garçon, la personne en question. Donc, mais à ce moment-là, l'autre personne a répliqué avec une arme à feu. Y'a pas eu un problème là? Eh, hey, y'a pas deux mains droites hein! Y'a pas une troisième main hein! C'était beau, c'est beau! Hi Strawberry! T'as besoin de dire Strawberry, on est d'accord? Alors, c'est comme tout. Alright. Si tout ceci était faux. Yes, hello! Today I'm streaming pretty much in French because I'm with my friend, but for my next stream is gonna be more in English, but yeah, hi. Thanks for dropping by. That's what ça se filme que l'inspectrice et lui ont fait le trajet ensemble. Et si c'était une fausse piste? Et si l'un d'entre eux avait atteint la fin du crime avant l'autre? Et si cette personne était entrée dans la pièce? Elle deviendrait alors notre suspect mystère. Il était peut-être déjà dans la victime, ce qui faisait qu'il avait la main libre d'Étienne, ouais. Étienne est le seul à avoir pu tuer la victime et tirer sur lui. Je ne vois pas d'autre argument capable de contredire cette assertion. Conséquent, je vais à présent rendre mon verdict. Objection! Attendez, monsieur le juge. Il existe encore une autre possibilité. Oh, j'espère que ça en vaut la peine, monsieur Wright. Il n'existe qu'une seule autre personne qui aurait pu fuir les lieux du crime. Cette personne est également la première à être arrivée sur place. Quand cette dernière est entrée dans la salle de pré-embarquement, une seconde personne est arrivée, elle, par la porte sud. La première personne a alors pu la pièce, en utilisant le chemin qu'elle était la seule à pouvoir emprunter. Est-ce que
n'aura pas cette durée. Et donc cette fameuse personne qui s'est enfuie dans la salle de provoque. Bah... Ouais. Pourquoi Monsieur Wright, qu'êtes-vous en train de suggérer? De tous ceux qui se trouvaient sur les lieux, seul le témoin a pu s'enfuir. En effet, le directeur était en capacité d'ouvrir la porte de la salle de contrôle. Il n'y avait personne dans la salle de contrôle, vu que tout se passe au cinquième étage, maintenant. Mais, ça veut dire que... Précisément. Notre témoin est en fait la tierce personne que nous cherchons à identifier. Il s'agit de Yuri Cosmos. Ah, oh, laissez-moi ça, merde. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit, Je pense que c'était genre arc ou quelque chose. Quoi? Silence! Silence dans la salle! Monsieur Wright, je vous prie de bien vouloir vous expliquer! Je vous disais que Monsieur Cosmos est arrivé sur place avant l'inspectrice Corté. Et qu'il est entré seul dans la salle de pré-embarquement. L'inspectrice est arrivée plus tard. Et a aperçu un suspect debout dans la pièce qui n'était autre que le directeur. C'est à ce moment-là qu'elle a tiré deux coups de sommation. Oh, voilà, c'est bon, là je le laisse. Allez, tournez coton. C'est ça, c'est des bulons. Alors le partage, ça lag un peu, bizarrement. Ça fait combien de tours déjà? Au moins 40. Ok. Oh, je suis touché par du blindage à tribord. Captain Wright, nous avons touché le vaisseau ennemi de plein fouet. Très beau tir. J'imagine qu'en anglais c'est stylé ce qu'il a dit. On est dans Star Wars, on est dans Star Trek, on est dans Stargate, on est dans quoi là? Et c'est quoi ce flip? Du mec qui tourne. Waouh! Il a même capté ta phrase au final! Ouais. Ah bah, que dire, bien joué Étienne! T'as fait mouche! Magnifique! C'était magnifique! Ah, genre, coupe le son. L'ennemi tire un coup de semence! Préparez-vous pour l'interception! Ça va l'énerver lui. Cosmos, vous avez encore menti à la cour! Je suis touché! Touché à bâbord! L'ennemi a reçu des renforts! Allô Cosmos, ici la Terre. Nous vous demandons de revenir dans le monde réel. Mon équipage ne tremblera que face à la présence de preuves. Oh, mais j'ai des preuves. D'ailleurs, votre vaisseau emporte les cicatrices. C'est quoi, je crois que c'est bien la tierce personne qui a aperçu Aurore l'âme noire. Cette tierce personne a tiré sur l'inspectrice Coffry et sur le directeur à l'aide de son arme. L'inspectrice a répliqué avec des tirs de sommation. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur le directeur? On dirait que vous avez tout saisi de mon parcours héroïque. Oui, c'est cela. Cette mystérieuse personne nous a tiré dessus. C'est forcément lui qui a tiré avec un calibre 10.
parce que l'inspectrice l'a retrouvée dans la salle de pré-embarquement. J'étais logiquement retourné vers elle pour tirer, ce qui veut dire que la preuve présente sur le directeur vient de prendre une toute autre signification. Il faut comparer à une autre pièce à conviction. La marque que vous avez trop déjà infligé cette tierce personne fera une très bonne preuve. Pour démontrer que vous vous trouvez déjà dans la pièce. Oh, oh, oh. Choc imminent, préparez-vous à l'impact. Grâce à cette pièce à conviction, nous pouvons prouver que vous étiez déjà dans la salle. C'est ça? Non. Je pense que c'est la balle 38. La balle de Cape 38 retrouvée sur le sol n'a pas touché la bouteille d'oxygène. Elle a touché la médaille du directeur. Ah ben oui. Une analyse de cette marque nous confirmerait sans doute qu'il s'agissait du même calibre. Et si la médaille a bien été endommagée par un calibre 38, cela permettrait de prouver que vous êtes bel et bien la tierce personne que nous cherchons. Oh oh oh! Le pont s'est effondré! On perd de l'aptitude! Abandonnez le vaisseau! Prenez la balle qui a touché la bouteille d'oxygène. Il s'agissait d'une balle de calibre 10. Ce qui signifie qu'elle a été tirée par Yuri Cosmos lui-même. N'est-ce pas, monsieur le directeur? Non! Vous faites erreur! Les réacteurs ont redémarré. C'est un miracle. Je suis vivant. Monsieur Vélez, essayez votre communiste sur le champ et nous dire la vérité. Si vous ne voulez pas que les livres d'histoire dressent le portrait d'un menteur et honté, c'est le moment de passer aux aveux. Vous me donnez des ordres à moi, le grand directeur de centre spatial, le Cosmos. Il va être dans les étoiles à un moment donné, d'accord? Oui. J'ai de le dire. Oh, oh, impossible! Je suis le centre de l'univers! Je serais bien déraillé à ce moment-là. Oh, oh, oh! Laissez-moi descendre! Silence dans la salle! Quelqu'un s'appelle juste de témoin immédiatement! Oh, il me donne mal de mer. En l'occurrence, pour lui, le mal de l'espace. Fou. Un peu plus, et il partait en orbite. Pendant qu'il faisait son numéro de volté, j'ai fait analyser la marque de sa médaille. Elle a été produite par une balle de calibre 38, qui correspond à celui utilisé par l'inspectrice. Miaa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 a
extraordinaire pionnier de conquête spatiale s'est révélé donc d'être qu'un minable affabilitaire. Vous ne m'inspirez guère qu'une seule question. Souhaitez-vous une mort rapide ou très rapide? Ça fait penser à la blague, tu connais cette blague-là, Anto? Je vais résumer rapidement. Un explorateur anglais, on va dire anglais, se retrouve capturé dans une tribu en plein cœur de l'Afrique. Les indigènes lui proposent deux choix. La mort ou tché-tché. Ah non, excuse-moi, il y a deux explorateurs qui sont capturés. Il dit au premier, vous choisissez quoi? La mort ou tché-tché. Le premier dit tché-tché. Et t'as tout le village qui lui passe dessus. C'est ce que je veux dire quand il passe dessus. Ouais. Ouais. Et sur le coup, le second, il voit son premier, il prend cher. Il a pris méga cher. Alors, sur le coup, après, le chef dit au second explorateur. Alors, je vous dis quoi? La mort ou tché-tché? Le second explorateur dit, je choisis la mort. D'accord, la mort! Mais d'abord, tché-tché! Elle est pas mal, non? Ouais. Je peux vous montrer une vidéo qui a été faite en illustration des dessins animés, de ça. Et par contre, je préviens, c'est de l'humour grossier. Hein. Mmh. Le style graphique est grossier, exprès pour pouvoir accentuer la dramaturgie de la blague. Les preuves ne mordent pas, elle, monsieur Cosmos. Inutile d'essayer de nous baratiner cette fois. D'accord, je vais tout avouer. Tout s'est passé comme vous l'avez dit, monsieur Wright. J'étais bien là, dans la salle de pré-embarquement. Je suis arrivé avant la pétrice, qui a tiré deux coups de semence dans ma direction. J'ai eu peur d'être confondu avec l'assassin, alors je suis parti vers la salle de contrôle. Ensuite, j'ai passé les ascenseurs et je me suis revenu vers la salle de pré-embarquement. En me plaçant dans le dos de la pétrice, j'ai pu prétendre être arrivé à sa suite. N'êtes qu'un vieux rabot grec et vos manigances disent tout de votre esprit tardé. Et alors, toujours, vous n'êtes pas l'assassin. Je n'ai sauf que oui. Lorsque je suis arrivé, seul dans la salle de pré-embarquement, j'ai vu le véritable assassin. Le grand Yuri Cosmos a été témoin de ce moment historique. Et attendez un peu, on avait tout juste prouvé que la tierce personne qui a vu la noire n'était autre que vous. Non, pas du tout. Moi aussi, je l'ai vu. Si c'était moi, assassin, est-ce que je mentirais pour protéger Solo? Je le ferais tomber à ma place. Très juste. Je voulais juste protéger Solo. C'était... J'ai prétendu m'être trouvé dans la salle de contrôle pour mener à la conclusion d'une tierce personne. En tout cas, ce serait logique de sa part de mentir pour protéger Monsieur Solo. Athéna, un mensonge est un mensonge. Monsieur Cosmos affirme ne pas être le coupable. Encore faut-il qu'il le prouve. Ah, je viens me souvenir... Ah, je veux dire que j'ai un alibi. Mademoiselle la Noire affirme avoir vu l'assassin à 10h, c'est bien ça? Oui, et? Ah ah! Je me trouvais à ce moment-là au troisième étage, où j'ai participé à la location. Vous pouvez demander à n'importe quel de mes employés. Ils vous le confirmeront. Pour une fois, il semble que le directeur ait décidé de se montrer honnête. Je confirme à la cour qu'il dispose bien de l'alibi à leur dite. Comment, selon vous, Mademoiselle la Noire a été témoin du meurtre à 10h? Et vous n'êtes arrivé dans la pièce que plus tard. Oui, et je pense avoir aperçu la même personne que Mademoiselle Lame Noire. Bien sûr, l'endroit était plongé dans le noir, et je n'ai guère vu que sa silhouette. Mais même sans voir son visage, j'ai su qu'il ne venait pas d'une autre planète. Putain, il nous a fait une rime, le bâtard. Il a bien d'alibi. Putain, il nous a bien fait une rime. Enfoiré, va. Il paraît difficile de l'accuser. Tu as raison. Cependant, ce ne sera peut-être pas nécessaire. Finalement, tu cherchais vraiment à protéger M. Solo.
Monsieur le juge, j'allais faire en sorte que le directeur témoigne au sujet de la personne qui l'a aperçu. Je savais, on a gagné un troisième témoignage, je m'en doutais. Sur le coup, le titre. Et ça n'était pas tant loin. Ah, quoi? Attends, je vais essayer de relire. Bon, il y en a mis beaucoup plus. Là, pour ce que mes yeux ont vraiment réellement vu sur la scène de crime. Ce dont j'ai réellement été témoin. Il n'y a que le mot réellement qui concorde là-dedans. Hein. Ah. Ah si, il y a le ce au départ, c'est tout. Il y a ce et réellement. C'est tout. J'en ai plus que Étienne a fait le clip, il s'est endormi. Il rêve de glace. Tandis que je me tenais à... tenter à pénétrer dans la salle, l'assassin a ouvert le feu vers dans ma direction. Je me suis caché afin d'éviter le tir. Et dès que j'ai pu regarder à nouveau, il avait disparu. Je me trouvais près de la porte de l'ascenseur et le suspect ne pouvait passer. Ni par la porte de l'ascenseur, ni par celle de la rampe de lancement 1. L'assassin vous a également tiré dessus, avant de disparaître. Tout à fait. Fort heureusement, la balle n'a pas trouvé le chemin de ma glorieuse personne. Elle a cependant touché la bouteille d'oxygène terrien. Je m'en suis rendu compte en entendant le coq, suite sans doute à la perforation de la bouteille. Et je croyais que la balle avait touché sa médaille. C'était le tir de l'inspectrice Coffret, souviens-toi. Ah, oui, ça devient difficile à suivre, alors voyons voir. Allez, tiens, cherche à s'en taper. Quatrième témoignage, sinon ouais. J'ai réellement été témoin de la scène du crime. Le directeur soutient que lorsqu'il a découvert M. Terrian et son assassin, le coupable a tiré dans sa direction à l'aide d'une arme de calibre 10. Ensuite, la balle aurait touché et perforé la bouteille d'oxygène de M. Terrian. Après quoi, l'assassin a disparu et le directeur s'est rendu dans la salle de pré-embarquement. Il a été rattrapé par l'inspectrice Coffret. Il lui a adressé deux coups de semonce. Selon quoi l'impact sur sa médaille, il a bien failli passer. C'est bon résumé, mais ça n'explique toujours pas où est passé notre assassin. Monsieur Cosmos, je souhaiterais en savoir plus sur la fuite de la mystérieuse silhouette. J'ai honte d'avouer que je me suis caché lorsqu'on m'a tiré dessus. Mais lorsque j'ai de nouveau regardé dans la pièce, l'assassin avait disparu. J'ai foncé à l'intérieur pour mener mon enquête. Mais je n'ai trouvé que Terrian qui avait été poignardé et solo inconscient. Pronto. Ouais. Tout le monde se dit que c'est la silhouette était humaine, on est d'accord? Ouais. C'est sûr que les robots ils ont pas appliqué par hasard. Non, c'est pas un robot. Et le vide d'ordure, ils auraient pu passer par là? Je crois pas que quelqu'un puisse passer par le vide d'ordure, non. Ouais, les vide d'ordure ont différentes tailles. Après peut-être qu'ils pourraient se cacher dedans, je dis pas, mais... Non, mais le vide d'ordure, ça t'arrive jusqu'au bout, à la lingerie, aux ordures, justement. Mais je n'ai trouvé que Terrian. Qui avait été pendardé et solo inconscient. Son coupable se compte s'être enfui après notre absence totale de son. Il s'est évaporé sans laisser de traces. C'est un mystère aussi grand que c'est que l'univers infini. Silence. Mais l'énigme en effet. Une autre question cependant reste sans réponse. Comment apparaît-il Bitomon tel que vos petits rêves de grandeur? Les plus grands hommes sont aussi les plus incompris. Ils doivent cependant suivre leur propre route sans se soucier des railleries du petit peuple. Ah, c'est bien la première fois aujourd'hui qu'il dit la vérité. Comment expliquez-vous la disparition soudaine de cette personne? Pas simplement, puisque j'essaie de me suffuser ici présent. Lorsqu'il a été repéré par Aurore, le directeur, il a faim de s'évanouir.
Voilà qui réduirait à néant les mystères du coupable fantôme. J'ai très envie d'objecter, mais je n'ai aucune preuve à lui opposer. Monsieur Cosmos, lorsque vous avez vu cette personne, avez-vous également aperçu Monsieur Solo par terre? Non, l'endroit était plus sombre qu'un trou noir. Je n'ai pas vu Solo avant que l'assassin ne prenne la fuite et que je le pénètre dans la pièce. Ça m'aide pas beaucoup. L'air est venu de rendre les armes, Maître Wright. Au moins, il appelle Maître quand même. Hein. Je n'arrive pas à trouver de faille dans son témoignage, mais je dois persévérer. Monsieur Wright, vous voulez un coup de main? Que? Lorsque le détecteur a témoigné, j'ai détecté d'importantes dissonances. Ce qui veut dire qu'il ment sur ce qu'il a vraiment ressenti. Voilà qui pourrait nous aider à découvrir où a bien pu disparaître notre assassin. Excellente idée, Athena. On va lui tirer les verres du nez. Avec plaisir, patron. C'est l'occasion rêvée d'analyser un esprit remarquable. Dire Cosmos, l'heure est venue de me révéler ce qui se cache au fond de votre cœur. Je sais pas si je voudrais pareil, en vrai, si c'était en vrai, ça serait autorisé. Je pense pas. On est d'accord? Et ben juste avant, là, pourquoi il a de la peur de tristesse en parlant de la porte? Est-ce que par hasard en réalité était déjà ouverte? Ouais, ou quelque chose du genre. Trouvé! Je peux me tromper, mais ils avaient l'air terrifiés par la porte de la rampe de lancement. Moi, le grand Yuri Cosmos, terrifié! Qu'est-ce que vous faites dire une chose pareille? Apparemment, il me suffit de le dire pour que vous commenciez à paniquer. Pas du tout. Monsieur Cosmos, vous me cachez quelque chose au sujet de la porte de la rampe, je me trompe? Il en perd ses moyens, vous avez visé juste, patron. Ça fonctionne, patron, et si c'était encore un peu, on va l'avoir. Il y a encore une émotion qui contredit son témoignage, ne lâchez rien. Très bien, on y retourne. Je détecte une victoire imminente. Qu'est-ce que je me disais, plus tôt là, quand il dit que l'autre a disparu là. Y'a aucune émotion, c'est bizarre. Ouais, il est même pas surpris qu'il a disparu. Ça me paraît bizarre quand même. En bas à droite, ouais. Aucune émotion à l'endroit pareil. Il devait avoir été surpris d'avoir vu l'assassin disparaître ainsi. Absolument. Ce n'est pas le genre de choses qu'on voit tous les jours. Pourtant, cet événement ne semble pas vous avoir causé le moindre choc. De quoi? Qu'est-ce que vous... Je ne vois qu'une seule façon d'expliquer que vous n'ayez pas été témoin de cette disparition. Vous n'avez pas été étonné de cette disparition. Vous savez exactement par où l'assassin était parti, pas vrai? Quoi? Non, pas du tout. C'est ridicule. Je suis le seul à voir que c'est la salle de contrôle. Et la fumée avait envahi toute la zone de la rampe. Il était impossible d'en passer la porte.
Contre la porte sud. C'est là que je me trouvais. L'assassin n'aurait pas pu passer par là. Peut-être que si. Vous êtes bien entré dans la pièce pour aller voir vos hommes, me semble-t-il. Et si le coupable en avait profité pour se glisser discrètement par la porte sud? Cela m'étonnerait. Souvenez-vous qu'à peine étais-je entré dans la pièce que l'inspectrice Coffret arrivait à son tour depuis le couloir sud. Quiconque aurait emprunté ce chemin serait forcément tombé sur elle. Et pourtant, le directeur ne semble pas avoir été surpris de cette disparition. Vous êtes donc absolument certain que le coupable ne disposait d'aucune échappatoire. Le temps de saisir ces données. Voilà exactement ce que je cherchais. Abracadabra, on dit au revoir de la Discord. On est sur la bonne voie apparemment. Merci Athéna. À présent, voyons ce qu'on peut faire. Cosmos n'a pas été surpris de voir le coupable disparaître de la pièce. Ça signifie qu'il sait sûrement par où est passé l'assassin. Et puis, il n'a pas l'air particulièrement à l'aise lorsqu'on évoque la porte de la rampe. Mon autre thème, il sait sans doute quelque chose sur cette porte que nous ignorons. Il suffit de comparer ces deux éléments, et la solution paraît tout de suite évidente. Monsieur Cosmos, l'assassin s'est-il échappé par ici? Par là? Ouais. Le coupable a fui par la porte de la rampe de lancement 1, n'est-ce pas? Oui. Non! Dégage, Trébor! On va percuter un astéroïde! Comme tacticien, on a vu mieux. Toute la zone sur laquelle tenait cette porte n'était pas envahie par la fumée? Si, mais il n'y a aucune autre explication logique. Nous devons découvrir ce que le directeur sait au sujet de la porte de la rampe de lancement 1. Si nous voulons pouvoir relever les incohérences de sa déposition. Mais cette porte ne s'ouvre qu'avec les bonnes empreintes digitales. Seul Otarion et moi-même y avons accès. Je ne vois pas comment l'assassin aurait pu la déverrouiller. Comment expliquez-vous ça? Moi je vois deux personnes inconscientes dans la salle qui peuvent ouvrir la porte, je dis ça comme ça. Ben si, la santé se trouve dans la salle de pré-embarquement, ce qui veut dire... Qui... Il y avait un bon moyen de passer cette porte malgré le verrou. Maintenant que j'y pense, on a inspecté les empreintes sur le lecteur. Je pense que l'assassin a utilisé les empreintes de cette personne pour ouvrir la porte. Le coup de l'accusé. Monsieur Solo se trouvait dans la salle de pré-embarquement évanouie au sol. N'importe qui aurait pu utiliser ses empreintes digitales pour déverrouiller la porte. De plus, ce sont bien ces empreintes que nous avons relevées sur l'appareil. Oh! On dirait bien qu'il cache effectivement quelque chose au sujet de la porte de la rampe. C'est moi ou par hasard il tourne dans toujours le même sens? Il s'en sentit horreur. Comment? Le sens anti-horaire. Ah. La vache. Si j'ai bien vu un truc. C'est comme ça que vous dites ça? Ouais, horaire, anti-horaire. Horaire, le sens aiguille de montre. Anti-horaire, le sens inverse. Parce qu'on peut pas vraiment dire gauche-droite, parce qu'une rotation, si ça va à droite en haut, en bas, ça va à gauche. Et ça marche. On peut pas... Non, on dit sens contraire. Ah. Ouais, quand on dit qu'on tourne dans l'autre, dans le sens opposé sous le coup de ce que ça fait normalement, on dit que ça tourne dans le sens contraire. On dit pas anti-horaire, on dit sens contraire. Bon, anti-horaire. Anti-horaire, on s'est compris. Mais on dit pas anti-horaire, on dit sens contraire, tout simplement. Mais ça va, tu vois, sous le coup, c'est bien, on a appris une autre différence culturelle entre le Québec et la France. On dit sens horaire, sens anti-horaire. Étienne dit qu'il dit anti-horaire lui aussi. Hein? J'ai jamais entendu un français dire anti-horaire de ma vie, hein! Après, c'est pas un terme que beaucoup de gens utilisent non plus, j'ai envie de dire, c'est un terme un peu
enrichi, I guess, mais... Soit on dit dans le sens horaire, ou dans le sens contraire. C'est pas possible, c'est tout simple. C'est peut-être dans ta région. C'est une région régionale. Ah non, pas pour ça, pour un truc pareil. Si il y avait un autre sens, une autre façon de dire ça, on utiliserait d'autres mots qui seraient un peu tordus. Après tout, au lieu de dire « bon Dieu », par chez nous, on dit « bon Dieu ». Tu vois, le Dieu s'entend en Dieu. Alors, bon. Ça va avoir un rapport avec la façon dont le coupable a pris la fuite. Je commence à avoir faim, moi. J'ai pas encore assez d'informations pour y voir clair, toutefois. Vous savez, je viens de réaliser quelque chose. Voulez-vous que je vous dise? Que, oui, allez-y. La salle de pré-embarquement 1 comporte une caméra de surveillance. Ah oui, celle qui a filmé la victime et l'accusé. Qu'en est-il, votre honneur? Si le véritable coupable a bien emprunté le couloir de la rampe de lancement, il devrait se trouver sur les mêmes images. Voilà qui pourrait nous permettre de résoudre le mystère. Qu'en pensez-vous? Ah non, il n'y a plus d'images après. Ouais, malheureusement. Ça paraît bien bizarre, mais il n'y a rien quand même qu'il n'y a plus d'images. Ouais. Bon, en même temps, il y a des bombes qui ont explosé dans le building, je veux dire. Ah, tu veux dire à un moment donné, hein? C'est ça? Ça a dû faire sauter le courant ou quelque chose. Rassurez-vous, je me fais chauffer quelques pattes. J'ai trouvé un truc très pratique en fait. Alors, normalement, je suis pas censé faire de la pub pour un produit, mais bon. C'est plus rapide que d'aller faire chauffer une casserole. J'espère que vous n'êtes pas trop épuisé pour parvenir à cette conclusion, votre crainte. Je vous demande pardon. Regardez plutôt ce qui se passe sur la bande vidéo à partir de ce moment. Alors, il n'y a plus d'image. La caméra était branchée sur un gros de secours, mais les câbles ont été endommagés. Sans doute une conséquence de l'explosion. Quand il est passé après cette séquence, ces images ne sont perdues à jamais. Ok, t'es sûr de tenir une bonne idée. Ce n'est pas parce que votre petit-fils est dans la salle aujourd'hui que vous devez faire n'importe quoi pour nous tenter d'impressionner. Papy crânerie. Monsieur Lannoy, je vous ai dit que mon petit-fils était là. Je connais un gamin qui vient de comprendre un truc ou deux sur la cruauté du monde des adultes. Surtout avec Lannoy. Oublions un peu votre descendance et recentrons-nous sur le témoin. Monsieur Cosmos, que s'est-il passé lorsque vous avez pénétré dans la salle de pré-embarquement? Si vous voulez vraiment savoir... Il y a quelque chose à dire? Ben, c'est sûr qu'il y a une émotion qui cloche quelque part, mais j'essaie de... Et si c'est la surprise, elle a quand même pas mal diminué. Je dirais soit c'est la deuxième, soit c'est la quatrième. Soit c'est ici. Soit c'est ici. Bien sûr, il n'y a pas vraiment de pénalité si tu te plantes, hein, fait que... Il y a peut-être avec celui-là, moi. Non, ok.
Là, je me demande s'il ne vaut pas comme il y aura. Ouais. Et du coup, j'irai avec le... la surprise dans celle de la PM. Tant que le fait qu'il n'y a pas de forestier. Pourquoi il est en colère? Bah, je veux dire, tu te pèterais dessus, tu seras pas de très bonne humeur, j'ai envie de te dire. Ce serait ça alors? Peut-être, je suis pas sûr. Si c'est pas ça, j'ai peut-être à celui d'avant, mais essaye, de toute façon, ça coûte rien. Ok, ouais, c'est bien sûr le fait qu'il soit moins surpris tout d'un coup, c'est un peu bizarre. Monsieur Cosmos, vous avez été surpris d'être découvert puis surpris à nouveau de vous faire tirer dessus. Est-ce bien naturel d'après vous? Malheureusement, même les plus grands d'entre nous peuvent succomber à l'émotion. Notre corps est le jouet de la gravité et de nos instincts. Je sais qu'un homme tel que moi, parfois, peut se laisser surprendre. Certes, mais je n'en doute pas. Ce qui m'étonne plutôt, ce n'est pas tant votre surprise, c'est ce qui l'a causé, que ce qui l'a causé. Je vous demande pardon. Vous avez d'abord été surpris lorsque l'inspectrice Coffrey vous a découvert. Puis juste après, par les coups de feu qu'elle a tirés en votre direction. Cependant, si l'on considère ce qui vous a surpris, il se produit un phénomène étrange. Du cosmos, ce qui m'étonne dans votre réaction, c'est le fait que vous... n'étiez plus surpris par l'arrivée. Vous ne dites rien au bout. Ouais. Vous avez été bien étonné lorsque l'inspectrice vous a tiré dessus. Mais vous l'avez été encore plus lorsqu'elle vous a découvert dans la pièce. Vous avez été plus surpris d'être découvert que de vous faire tirer dessus. Ce qui me laisse penser que vous cherchiez à cacher ce que vous faisiez dans cette pièce. L'ennemi dispose d'une nouvelle arme. Lancez la manœuvre et esquive sur le pupitre. Hein? Moi qui ai enfin détruit son vaisseau. Alors, techniquement parlant... Ouais. Patron, on a réduit la dissonance, ce qui veut dire... qu'il cache réellement quelque chose sur la porte de la rampe de lancement. Quoi que ce soit, ça a probablement un rapport avec la façon dont l'assassin s'est échappé. Qu'est-ce qu'il a bien pu baligancer? S'il faisait quelque chose de louche au niveau de la porte. On pourra peut-être déceler un changement entre avant et après son entrée dans la pièce. Inspecteur Bien nous a donné une photo prise après le crime. Essayons de comparer. Voyons, voilà les images de la porte avant l'arrivée du directeur. Et voilà la porte après qu'il ait pénétré dans la salle de pré-embarquement. Et regarde, il y a quelque chose qui a changé, j'en suis sûr. Monsieur Cosmos. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous magasinez votre coin? Vous avez en fait trouvé ce que vous faisiez lorsque l'inspectrice Coffrey vous a découvert. La réponse se trouve sur ces images. Ah, on les deux. Voilà. On peut revoir les deux images. C'est de les comparer à la photo prise pendant l'enquête. Bon, puisqu'on a celle-là ici. C'est absurde! Si vous avez vraiment découvert quelque chose, vous l'aurez déjà dit! Ouais, c'est facile. J'ai vu. Moi, vous doutez largement. Le système qui permet de locker, unlocker le système de rotation du bâtiment. Ouais. Pas bien. Ça a changé juste après l'incident. La réponse est simple, ce bouton. Monsieur le juge, je regardais attentivement ces images. Voyons un peu.
Observez le bouton situé à côté de la porte de la rampe de lancement. Il se trouve à l'horizontale. Oui, c'est juste. Cependant... Lors de notre enquête hier, ce même bouton était à la verticale. Ce que signifie? Ce qui signifie qu'entre avant et après l'arrivée du directeur... Quelqu'un a tourné ce bouton. Après la découverte du crime, vous seul aviez la possibilité de tourner ce bouton. C'est l'heure de passer aux aveux, Monsieur Cosmos. Nous vous écoutons. Que cherchez-vous à faire lorsque vous avez tourné ce bouton? C'est pas vrai. D'accord, d'accord, j'avoue tout. C'est vrai, j'ai tourné le bouton de la porte. Ce bouton est un verrou de sécurité destiné à sécuriser la position de la rampe de lancement. J'ai eu peur que d'autres explosions surviennent. Et j'ai voulu déplacer la rampe. Vous voulez faire quoi? Attendez, Amitron nous a parlé d'un truc comme ça, non? Pour préparer le décollage. Elle dit qu'une fois que la rampe était assemblée, elle était déplacée vers le site de lancement. Elle a aussi dit qu'il fallait d'abord désengager le verrou de la salle de pré-embarquement. C'est donc à ça que sort ce bouton. Oh! Si l'assassin fuit par le couloir de la rampe de lancement 1. Il a peut-être été déplacé jusqu'au site de lancement avec la rampe? Je ne pense pas. Le couloir de la rampe de lancement était complètement fumé. Il n'aurait probablement pas pu s'échapper par là. Dans ce cas, par où est-ce qu'il est parti? Je crois qu'il nous reste des choses à découvrir. Monsieur Cosmos, j'existe davantage de détails de votre part quant au déplacement de la rampe. Soit. Ouvrez grand vos oreilles, car mon témoignage sera tout à fait épique. Quatrième? Ah non, c'est dissonance, je suis bête. Je n'ai pas eu d'autre choix que de désengager le verrou de sécurité. Je craignais qu'il n'y ait d'autres explosions. Alors, j'ai détaché la rampe de lancement. L'assassin n'aurait pu s'échapper que par la rampe de lancement 1. Mais cette zone était remplie de fumée. Sacrebleu, par où est-il passé? D'avoir accueilli le directeur. Il a l'air d'avoir du mal à camoufler ses véritables émotions. Allez, encore un dernier effort. Il peut toujours tenter de dissimuler la vérité, ce n'est pas ça qui va nous arrêter. Et en continuant à garder notre calme, on va finir par en voir le bout. Bon ben, moi l'émission, je pense qu'elle est direct là. Hein. Pourquoi il est heureux? Ouais. Quelle importance. J'ai eu d'autre choix que de désengager le verrou de sécurité. Vous dites ça comme si vous aviez tourné ce bouton à contre-cœur. Cependant, vous avez éprouvé une certaine joie, comme si cette action vous avait contenté. Quel est votre secret? Comment savez-vous tout ça? Pas mal, hein? C'est le pouvoir de la psychologie analytique. Vous allez pouvoir nous expliquer pourquoi désengager le verrou vous a rendu si heureux. Si on réfléchit à tout ce que nous avons découvert jusqu'à présent... Tout porte à croire que vos actions étaient entièrement préméditées. Comment est-ce que vous avez deviné ça? Parce que je suis un professionnel de la devinette. Alouette. Vous n'avez aucune preuve que j'avais anticipé quoi que ce soit. Et même si c'était le cas, eh ben, vous n'aurez rien du tout. On dit souvent que les gens régressent en vieillissant, mais à ce point-là... Comment
comment pouvez-vous douter d'un homme qui dégage tant d'insensité, d'intelligence et d'intégrité ? Intégrité ? Sérieusement ? Silence. Ah. Bon, je sais quand, ça faisait un moment que je ne le voyais plus, lui. Miaou. Hein ? Okay. Intègre ? Qui ça, vous ? Vous plaisantez, j'espère ! Monsieur le procureur, qu'est-ce qui lui prend ? Depuis le début de votre déposition, ne cessez de mentir. Un homme tel que vous n'a pas sa place dans les annales de l'histoire. Enfin, tout dépend du titre. Si celui de plus grand menteur de sa génération vous convient. Un menteur ! Bien, alors vous êtes aussi acéré que sa lame. Vous auriez déplacé la rampe de lancement après les explosions ? Quelle neige. Ainsi voilà que les faits verts à votre lire. Quoi que vous semble assez non, rien voir, oui. En parlant des faits, vous pourriez les évoquer en français, s'il vous plaît. Oh yeah, Mr. Wright, au lieu de commander, tout de suite après l'incantateur. La lampe 1 se trouvait du côté de la salle de prendre-marquement. 1. La police a confirmé. Quoi? Menteur! Vous voulez dire que le directeur n'a pas déplacé la rampe de lancement? Très bien, Zach, à présent, je regrette d'avoir convoqué à la barre un menteur dans la cabine. Il semble maintenant se complaire dans ses mensonges que dans ses jeux puérils. Menteur! Il n'y reviendra jamais, lui. C'est impossible, vous voyez bien que quelqu'un a accéléré ce bouton. Une fois le verrou de sécurité désengagé, la rampe est forcément allée quelque part. En déterminant ce qui s'est vraiment passé, nous pourrions bien découvrir où l'assassin... Ah ! Est forcément allée quelque part. Nous pourrions bien découvrir. Vos arguments ne sont faits que de conjectures, de vœux pieux et de rêves éveillés. Revenez donc à la réalité et regardez-la en face. C'était d'en faire l'enfant et agissez enfin en homme. Ah. Il est réellement de mauvaise humeur. Ah, il s'est fait taper là où ça fait mal. Il s'est tapé là où ça fait mal. Il a plus de respect de nos jours. Je comprends plus rien. Le directeur a forcément déplacé la rampe de lancement. Ce bouton a été actionné après qu'il se soit rendu dans la pièce. Et pourtant, la rampe se trouve exactement au même endroit. Ah! Petite minute, j'ai tout compris de travers. Il l'a remis en place. Pas tout à fait. Et si le directeur avait accédé ce bouton, non pas pour éloigner la rampe de lancement, mais pour la remettre à sa place. C'est comme vous encore. Et si la rampe s'était trouvée sur le site de lancement avant l'incident? Ensuite, après l'incident, le cosmos l'a remise à sa place habituelle. Tout ce qu'il avait à faire, c'était d'enclencher le bouton pour appeler la rampe. Pour la remettre là où la police l'a trouvée. Ah! Il a supprimé comme M. Solo. Ce que j'ai dit, c'est ça. Vous me voyez contraint de devoir vous expliquer les failles, votre propre logique, Mr. Wright. Votre menteur en chef m'a fait tourner ce bouton qu'après avoir découvert le crime. En effet, la rampe se trouvait bien derrière la porte par laquelle les escrocs sont arrivés. Ça fait qu'a d'ailleurs immortalisé la caméra de surveillance. Je viens de remarquer le détail d'ailleurs. Oh, c'est vrai. Sans vouloir me répéter. Vous devriez revenir à la réalité et la regarder d'en face, Geno. Arg! Quel détail? Je sais pas, parce que je me souviens pas quand on était allé voir le couloir de quoi le sol avait l'air, mais...
Oh putain! Est-ce que t'as vu? Je t'ai dit, je m'en doutais qu'à cause des doubles pièces qui sont identiques. Et le chiffre 2 là. Du coup, l'arme de lancement, c'est la salle 1 ou c'est la salle 2? C'est ça ma question. Pour vous reprendre, Monsieur Wright, concentrez-vous, on sait que la rampe a bien été déplacée. Pourquoi on l'a pas remarqué plus tôt? J'aurais dû la remarquer plus tôt, en plus, c'est genre de connerie. Si j'avais déjà ma théorie en ma tête d'inversement des pièces, j'aurais dû... Ah, merde, Aurel! Restar! Cependant, nos déductions contredisent directement les faits. Si ça se trouve, les astronautes ne sont jamais montés à bord de la fusée. Les images ont peut-être truqué, ils ont pu utiliser des sosies et refaire le film. Oh d'accord, même pour moi c'est un peu perché. Ils ne sont jamais montés à bord de la fusée. Et minute, peut-être que... Hein? Monsieur le procureur, et si je vous disais que nos deux astronautes ne sont jamais allés sur la rampe de lancement, mais à un tout autre endroit. Et que M. Cosmos a remis en place la rampe non depuis le site de lancement, mais depuis un autre endroit également. Que me répondrez-vous? T'abrégez ou bien c'est moi qui vous abrège? Hey, hi, Simon, thanks for hiding. Hi, Sina. It's alright, just how are you doing today? Je sais que j'ai raison. On a raisonné à l'envers depuis le début. Très bien, monsieur le juge, je vais vous expliquer. Monsieur Cosmos s'est déplacé la rampe de lancement 1. On a été reverti. Exactement. Je voulais changer de place avec un autre endroit. Excusez-moi. J'avais bien dit échanger. De quoi aurait-il bien pu échanger la rampe de lancement? Oh, vous savez, votre honneur. En sortant un peu des sentiers battus, la réponse se présente d'elle-même. Voilà ce qui a été remplacé par la rampe. Le musée de l'espace! Comment un modèle grandeur nature de la fusée? La rampe de lancement 1 a été échangée avec le musée de l'espace. Ce musée était anciennement la rampe de lancement 2. Ouais, du coup, ça me confirme le fait que le 2... Il est identique à la rampe de lancement 1 et peut même être déplacé vers le site de lancement. La rampe de lancement 1 et le musée de l'espace peuvent donc être intervertis. Non. Vous assurez tout même pas que... La fusée dans laquelle sont montés les astronautes n'était pas celle de la rampe de lancement 1. Il s'agit de la fusée du musée de l'espace. Quoi? Baliverde! Et on a la preuve, mec. Et pourtant, il s'agit de la seule explication valable à toutes ces incohérences. Voilà comment a été configuré le centre spatial avant l'incident. Que la rampe de lancement 1 et le musée de l'espace ont déjà été interdits. Exact. Et c'est en raison de ce changement que les astronautes ont rejoint le musée après avoir quitté la salle de pré-embarquement 1. Cela permet à la Saturne de pénétrer dans la rampe 1 depuis la salle de pré-embarquement 2 et de poser la bombe sur la fusée. Maintenant que j'y pense, la porte de la salle de pré-embarquement 2 qui donne sur le musée. Bienvenue, le musée de l'espace est ouvert au public tous les jours de 9h à 19h. Et oui, n'importe qui peut emporter la porte menant au musée de l'espace. Il ne comprend pas de lecteur d'empreinte digitale. Autrement dit, une fois les deux rampes de lancement interverties, n'importe qui aurait pu aller poser cette bombe. Ah! Après avoir posé la bombe sur la fusée, il
Le coupable est allé se cacher dans la salle de pré-embarquement 1 et a attendu là-bas. Afin de tuer M. Terrian lorsque lui et son camarade sont sortis du musée de l'espace. Mademoiselle Lame Noire, M. Silo et le directeur, souvenez-vous-en, ont tous aperçu la silhouette. Qui, on peut le penser, après avoir tué M. Terrian, a pris la fuite par le musée de l'espace. Après quoi, M. Cosmos a remis les deux rampes de lancement en place. Sans réaliser que l'assassin se trouvait dans le musée. Pip, 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 pip. L'assassin a ensuite quitté le musée puis les lieux sans accroc. Oh! Maître Wright, vous manipulez la merveille, est-ce que je vois? C'est sans doute Maître Bluff que je devrais vous appeler. Je ne crains nul adversaire, bien que des procureurs soient déjà tombés sous mes coups. Silence. Sans preuve toutefois, votre théorie ne vaut guère plus qu'une épée de moi. Il a raison! Vous ne pouvez pas prouver que j'ai changé les rangs de lancement! Il va falloir qu'il apprenne à se calmer, celui-là. Si les rampes ont réellement été intervertis, il doit exister une preuve de leur déplacement. À ce moment-là, le musée et la rampe avaient déjà été changés. Le couloir situé derrière la porte doit donc être celui qui mène au musée de l'espace. Voyons un peu. Cette photo est celle du couloir de la rampe de lancement 1. Voyez-vous une différence en la comparant à la vidéo de surveillance? Que le chiffre par terre. Finalement, monsieur le procureur, il semblerait que nous ayons bien une preuve. J'ai tendance à croire que vous bluffez de nouveau. Rassurez-vous, c'est tout ce qu'il y a de plus concret. Il suffit de regarder ces images. Elles contiennent la preuve irréfutable que cette porte débouche sur le couloir du musée. Bien, en ce cas, je vous écoute. Qu'est-ce qui prouve sur ces images que ce couloir est bien celui du musée d'espace? Le chiffre 1 est inscrit sur le sol du couloir de la rampe de lancement 1. Cependant, regardez le sol du couloir visible sur ces images. Vous voyez le chiffre qui est inscrit derrière les astronautes? On ne dirait pas vraiment un 1, et pour cause, il s'agit d'une partie du chiffre 2. Alors là, par contre, il l'apprécie pas. Là, il a noir, là, il a mauvaise. Pourquoi un 2 au lieu d'un 1, me direz-vous? Eh bien, parce que ce couloir est celui du musée de l'espace. Ah! Ce qui veut dire que... Le couloir visible sur ces images n'était pas envahi par la fumée. Exactement, car l'explosion n'a pas eu lieu dans le musée de l'espace. Elle s'est produite sur la rampe de lancement 1, du côté opposé au musée. Et maintenant que nous savons que les astronautes ont en fait évacué le musée de l'espace, le mystère de nos débats précédents concernant la descente de l'échelle est résolu. Monsieur Terrian porta Monsieur Sop sur son dos. A tout simplement pris l'ascenseur du niveau supérieur pour descendre au niveau intermédiaire. C'est à peine croyable. Les deux rampes de lancement étaient donc alternatives. Difficile de croire qu'un tel événement est plus facile à passer. Tout le monde se trouvait dans l'abri souterrain lorsque les rampes ont réengagé leur place, ont regagné leur place. Personne ne pouvait deviner ce qu'il se tramait à la surface. C'est depuis le début que c'était le musée. Bye bye. Ah! Vos manigances sont terminées, Monsieur Cosmos. Il est grand temps que vous nous disiez la vérité. Mon honneur, ma gloire, il s'effondre sur mes yeux. Je dois reprendre mon secret, l'acteur galactique,
Allez, man! Quoi? Il est bloqué rapidement! Ah! J'arrive pas! Non! L'arrêtez! Ah! 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 Ma médaille! Ma gloire! Ah! Ah! Oh! Non! Pas, pas, pas là! Ah! Oh, fusier! Rattrapez-moi ce témoin! Mon traiteur! Il nous a fait un dérapage contrôlé pour partir par la porte. Moi! Monsieur Blaine. Il a perdu ses étoiles aussi. Sa médaille? Visiblement, nous avons récupéré. Attends. Monsieur Cosmos, admettez-vous avoir échangé les deux rampes de lancement? Oui, c'est vrai. J'ai bien interrompu la rampe de lancement 1 avec le musée de l'espoir. Ah, enfin une déclaration crédible. Ne criez pas victoire trop vite, monsieur le juge. Tout d'abord, nous ignorons si monsieur Tyrian était au courant de cette manipulation. Quant à monsieur Solo, ses médicaments l'empêchaient d'avoir conscience de son environnement. Monsieur Tyrian, quoi qu'il en soit, aurait forcément réalisé en entrant dans le musée qu'il ne s'agissait pas de la rampe de lancement 1. La première question est donc la suivante. Si le musée de l'espace n'a pas été touché, pourquoi Monsieur Tyrian s'est-il senti obligé de jouer pareille comédie? J'ai par ailleurs une autre question. Je voudrais que M. Cosmos nous dise pour quelle raison il a décidé d'intervertir les rampes de lancement. Pitié, je ne sais pas, je ne vous dirai rien, vous m'entendez? Si ce n'est que je n'avais pas le choix, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour protéger mes âmes de cette explosion. Le directeur paraît terrifié. Il y a certainement une excellente raison de ne pas vouloir nous dire pourquoi. C'est sans doute pas le meilleur moment pour tenter de lui faire avouer, j'imagine. Excusez-moi, ça vous dérange si je ramasse mes étoiles? Sans mes décorations, je ne suis plus rien. Comme vous voudrez, officier, aidez le directeur à récupérer ses... Voilà, ils sont venus. Il semblerait qu'il existe potentiellement un autre coupable que l'accusé. Monsieur Solo, avez-vous quelque chose à ajouter? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Monsieur le directeur, pourquoi avoir fait tout ça? Vous n'avez jamais voulu que cette fusée décolle, pas vrai? Vous nous avez menti. Solo! Désolé, Solo. Je suis désolé. J'avais mes propres raisons. Je l'ai fait pour protéger le centre spatial. Monsieur le directeur, est-ce que je retournerai dans l'espace un jour? Oui, bien sûr. Je ferai tout pour que tu puisses y retourner. Je te le promets, mon garçon. Alors, mon rêve peut encore se réaliser. Silence. Lorsque vous réaliserez, Solo, c'est un instant en prison. J'y veillerai. C'est pas une dingue qu'il a contre lui, mais un croc. Certes, les rampes de lancement ont bien été adhératives. Et s'il y avait bien une tierce personne sur les lieux, il est vrai qu'elle a pu s'enfuir. Cependant, rien ne prouve qu'elle soit passée par le musée d'espace. Oh, il n'y a pas tort. Marc, il a raison. Je n'en ai aucune preuve. Solo, vous avez tout avoué. Clique-moi,
Où avez-vous trouvé ces bombes? Parlez! Si vous refusez d'avouer. Malin, malin se gorgera de votre sang. Laissez-moi mourir dans l'espace, pitié! Je dois faire quelque chose. Icar Solo, votre erreur a sonné. Allô, allô, monsieur le procureur, vous savez bien que ça ne résout rien. Ça, c'est brillant. C'est un furet de Cressel. Impossible de le confondre avec quelqu'un d'autre. C'est... Juste un brillant. Héros sans peur et sans reproche, c'est bien moi. La justice prévaudra. Inspecteur Brillant. Vous avez fait attendre, monsieur l'avocat. J'espère que je n'arrive pas trop tard. On avait pris rendez-vous. J'ai fait au plus vite, mais j'ai dû aider une petite vieille à traverser la route. Et j'ai dû démêler un crépage de chignon. La justice a un boulot plein temps. Attendez, vous êtes intervenu chez un coiffe. Ah, d'accord. Bref, vous êtes là pour... Pour une très bonne raison. L'accusé n'est pas coupable. Je suis venu faire respecter la justice. Qu'est-ce qu'il raconte encore? Voyons. J'ai toujours su que vous aviez un grain. Mais cette fois, il me semblait bon à être regardé. Je crois plutôt que c'est vous qui vous êtes enfermé dans votre obsession du fantôme. Ouvrez grand, ouvrez les yeux et soumettez votre jugement à mon incontestable pièce à conviction. Pièce à conviction? Comment ça? Maintenant que j'y pense, il avait promis de nous trouver une nouvelle preuve. Merci à vous deux. Je me sens beaucoup mieux après avoir pu vider mon sac. Je vais travailler sans relâche pour vous trouver la pièce à conviction parfaite. Je croyais que c'était de l'humour. De quoi s'agit-il, inspecteur? Ah, les étonnants. Tout à fait. Regardez un peu. De quoi s'agit-il? Un briquet? Précisément. Il s'agit d'un briquet. Le briquet du coupable même. Le robot de nettoyage du musée de l'espace l'a retrouvé. On y a révélé le sang de Pierre Terrien, ainsi que les empreintes de l'assassin. Que quoi? Oh! Du calme, je vous prie. Inspecteur Brillant, je suppose que ces empreintes ne sont pas celles de l'accusé. Vous supposez bien, mais ce solo est parfaitement innocent. Parfait, pile ce qu'il nous fallait. Je juge, cette pièce à confession essentielle va dans le sens de la défense. Que voulez-vous dire, monsieur Wright? Le whisky, monsieur le juge. Souvenez-vous de l'endroit où a été retrouvé ce briquet? Nous permet d'affirmer qu'après avoir tué M. Terrien, l'assassin s'est enfui, briquet en main, vers le musée de l'espace. Où il a laissé tomber. Les rampes de lancement ont alors été changées. Puis l'assassin a accédé à la salle de pré-embarquement 2 d'où il s'est échappé. Monsieur Solo, lui, a été retrouvé dans la salle de pré-embarquement 1 après le meurtre. Ainsi que nous l'a confirmé Monsieur Cosmos, en conséquence, Monsieur Solo n'aurait jamais pu laisser tomber ce briquet à cet endroit. Silence. Vous oubliez que l'accusé était libre de ses mouvements jusqu'à l'arrivée du directeur. Il aurait très bien pu laisser tomber son briquet dans le musée d'espace à ce moment-là. Ah non, il a du sang. Ça vous arrangerait bien, pas vrai?
Cependant, M. Cosmos a bien précisé qu'il avait vu la mystérieuse silhouette avec son briquet. Juste avant de rentrer dans la pièce où il a trouvé M. Solo évanoui. En d'autres termes, M. Solo n'aurait jamais eu le temps de retourner au musée. Malheureusement pour vous, M. le procureur, ce briquet n'a pu être oublié que par le vrai tueur. Plus important encore, les empreintes de M. Solo ne se trouvent pas sur ce briquet. On risque que c'est une fille, n'est-ce pas? Les pièces de conviction disculpent indéfinitivement M. Solo dans cette affaire. C'est la sœur Aurore par hasard? Il semblerait effectivement que ces pièces de nature ont prouvé la théorie de la défense. Quant à la télécommande retrouvée dans la poche de M. Solo, il paraît raisonnable de supposer qu'il y a été déposé par l'assassin. Non, c'est forcément une erreur. Vous savez, la noire, je m'inquiète pour vous. C'est évident. Vous poursuivez ce fameux fantôme depuis maintenant 7 ans. Bien sûr, je comprends votre pression. C'est tout, c'est demain que... Silence. La prescription? Ah! Il y a une prescription, t'es bien. Voyons, vous allez jurer de ne jamais évoquer ce sujet. Demain? Qu'est-ce qu'il y a demain? En l'état actuel des choses, il ne fait aucun doute que l'accusé est innocent. Car il était impossible pour lui de commettre ce crime. Les questions néanmoins restent en suspens et je compte sur vous pour y parvenir de lui apporter des réponses. Dans les médias, cependant, ce tribunal déclare l'accusé Icar Solo. Non coupable. Excusez-moi, mais il y a un sale coup dans la bouche, là, on est d'accord? Ouais. Ah, on a réussi, Monsieur Wright. Je ne sais pas comment, mais on s'en est sorti. On peut remercier l'inspecteur Brie, hein. Monsieur Wright, Mother Sykes, merci. Et n'oubliez pas de remercier Apollo pour moi. Vous êtes les meilleurs. Ah, j'ai hâte de pouvoir annoncer le verdict à Apollo. Moi aussi. Ça devrait attendre un peu, malheureusement. Le verdict a été rendu. Nous pouvons clore les débats. La séance est levée. Personne ne va nous dire les empreintes. Ouais. On est d'accord. C'est un peu tard pour une objection, non? C'est impossible. Il y a une erreur. Monsieur Lanoir, vous avez quelque chose à redire au verdict? Voyons! Quels sont les résultats de l'analyse des empreintes relevées sur le briquet? Les résultats? Oui. Pour tout vous dire, j'ai été pressé. Et puis, il y a eu cette histoire de chignon et... J'étais tellement content de voir que Monsieur Solo n'était pas coupable que... Vous ne les avez pas lus. Monsieur le procureur, pouvez-vous nous dire à qui appartiennent ces empreintes? Une analyse minutieuse a déterminé que les empreintes digitales appartiennent. Quelle circonstance elle a eu le briquet? Attends, mais c'est qu'il y a ça, c'est du coup. Etienne est très confus en ce moment. Je crois qu'on en a pas fini avec cette affaire, hein. Au bûcher, dit-il. C'est une blague par rapport au briquet, elle est vicieuse. Okay.
J'ai pas envie de continuer, Anto. Je veux pas appuyer sur le bouton. Vas-y, c'est presque fini. Ah, je me sens mal. On va devoir faire le procès pour sauver Athéna maintenant. Est-ce qu'on vient de se passer? On vient de la prouver qu'elle était coupable à moitié là. Comment dis-tu? Je sais pas quoi répondre. Vas-y, continue. Putain de scénariste. Tels sont les résultats du rapport. Comment? Comment? Quoi? Qui? Moi? Ça, c'est l'enfer. Du calme! Dans un site, j'attends une explication de votre part. Nous venons de prouver que ce briquet ne peut être que celui de l'assassin. Vos empreintes se trouvant dessus ne pouvaient être qu'à conclure qu'une chose. Je ne sais pas ce qu'elles font là. Ce que je sais, c'est que je ne suis pas coupable. C'est impossible. Il y a 7 ans. L'affaire d'il y a 7 ans, il a dû avoir ses empreintes à l'époque. Ses yeux, elles sont passifs. C'est une énorme magouille. C'est quoi ce plan de tordu? C'est quoi ces putains de scénaristes encore? Dire qu'on dominait complètement les débats. Notre raisonnement était parfaitement logique. Comment sommes-nous arrivés là? Qu'est-ce que je fais? Pardonnez-moi! Je suis désolé! Ouais, il pleure. Oh, les trous de nez qu'il a. Du calme dans la salle. Inspecteur Brillant, cessez mes doigts de pleurer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est tombé sur la tête. Alouette. Oh, pardon. Du calme. Les yeux de silence dans cette salle. La confusion, Attends, Anto. Ouais. Je me rappelle que tu m'as dit que c'était ton enquête préférée. Ouais. Mais t'es sado, ma parole. Sadomaso, là, c'est pas possible. La confusion se transforma en anarchie la plus totale. Nous avions tant lutté et les faits semblaient désormais accuser Athéna. Comme si un simple grain de sable avait causé une tempête dans le désert. Nous étions complètement dépassés par la réalité, et celle-ci avait pris un bien sombre virage. Niveau rebondissement, c'est du niveau, Étienne, ouais. C'est du high level. Fin de l'épisode. Mais entre guillemets, c'était assez court l'épisode finalement. Ouais, mais le prochain, c'est la suite de lui. Fait que c'est pour ça que je suis depuis le début, j'arrête pas de dire qu'il reste une affaire parce que je constate que la 4 et 5, c'est la même affaire en fait. Ouais, bah vu comme c'est parti, ouais! Ok, du coup, on sauvegarde. On pourrait s'arrêter là pour aujourd'hui, pour exception. Oh oui, carrément, c'est bon, mais c'est bon, je ne tiens plus là, c'est bon! Ouais, c'est bon, respirer un peu! Et quelqu'un que j'attendais qui refait signe de vie, puis il faut que j'aille lui parler. D'accord, bah écoute. Je préfère m'arrêter là, sinon je ne pourrais pas focus pour le reste du stream. Tu m'étonnes. Ce que je coupe, ce sera celle-ci. Oh l'enfer quoi! Ah mon cœur, ouais! D'accord, quand on pète, elle fera l'apologie de justice, on en reparlera de tout ça, quoi. Retourner au menu? Yep! Et puis continue exactement, Ethan. Alors par contre, je vais te dire carrément, pour l'instant, sincèrement, c'est l'affaire 3 qui m'a beaucoup plu, plus le plus. Avec l'école là? Ouais, pour l'instant c'est ça. Parce que mine de rien, j'adore Marguerite. Ah non,
elle apporte un côté fraîcheur dans l'histoire. Et les trucs des trios, c'était cool en plus, ces histoires d'amitié. Tordu, parce qu'en même temps, j'en doutais que l'autre connard a été responsable. Bon, all on right. Fait un petit raid. Non, pas aujourd'hui. C'est, aujourd'hui, je serai pas de raid, j'ai pas envie. Je vais vraiment me dépêcher avec l'autre. Bah, ok. On va s'arrêter là. Ouais. Alors, sur ce, la suite dimanche prochain pour le procès de Athéna, j'imagine. Yes. Et moi, de mon côté, on se revoit normalement demain, assez tard pour moi, pour la suite de Chain Together avec les autres débiles. Là. Ça serait les amis quand même. Ah, ça me donne. Je suis curieux de savoir qui sont les débiles de ta bande maintenant.